Ça y est, je suis revenu. Bon, il y a un des avantages, c'est que bon, il est russe, là, pour il est en train de jouer. Mais qui est pas. Bon. Mais en dehors de ça, le jour où je reviens. Ah oui, il est mignon. Donc, je fabrique de la confiture, des kilos de confiture, parce que j'ai ramassé des tas de prunes dans le jardin de. Des parents de ma femme et je renverse la moitié d'un pot, je me brûle, je me coupe, je constate que mes enregistrements pendant les vacances sont foirés, j'ai un câble Péritel qui est niqué, j'ai une ampoule qui explose là-haut, j'ai un évier qui fuit, je casse l'antenne de ma voiture, je casse la porte d'une étagère. J'oublie des trucs. Ah oui, ici au boulot. Ah bah oui, au boulot, restrictions de budget, en fait, d'allocation de fonds. Donc on a un poste en moins. Donc dans mon boulot, il y aura certainement beaucoup d'enfants qui pourront plus profiter de l'aide aux devoirs. Boulot de ma femme, des trucs qu'elle a demandé juste avant de partir n'ont pas été faits. Le premier jour, on arrive. Le premier jour. Je sais que le français est râleur, hein. Mais je me demande si j'aurais pas envie d'être australien. Mais là-bas, j'avais moins d'emmerdes. Et donc forcément moins d'occasions de râler. Bon, d'accord, il y a des insectes, il y a des animaux morts. Des fois, il fait beaucoup chaud. Putain. Tu viendras avec moi? Là-bas? Juste tout le temps? Hein? Sans compter que là-bas, ils ont fait. Ils tout. C'est pour ça qu'on râle. Les Français. J'y étais. J'ai jamais entendu parler de Nicolas Sarkozy. Oui, j'oubliais. J'avais aussi mon ordinateur qui déconnait. Apparemment, des mises à jour Win. Win machin. Qui a foutu de merdier, je pense. Enfin, je pense. Parce que... Non, le français est râleur, hein, vraiment, mais de plus en plus, je crois qu'il avait raison, mec. Hein? Russe? Qu'est-ce que t'en penses? Viens. Viens. Tu penses qu'on avait raison, mec? Mais c'est la caméra qui est foutue.